J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du prochain événement, le tournoi d'Osiris, qui devrait sortir, si tout se passe bien, en mai 2015 avec le DLC La Maison des Loups. Donc ce tournoi d'Osiris, littéralement Trials of Osiris, le procès d'Osiris, sera un événement PVP en mode escarmouche, donc du 3 contre 3, qui devrait logiquement se dérouler sur la map Mercure qui se nomme Burning Shrine. Donc la question que tout le monde se pose, c'est ce tournoi sera-t-il l'occasion de voir arriver sur la tour une nouvelle faction? Ce qui est sûr, c'est que l'existence d'un nouveau jeton, donc la pièce d'Osiris, qui n'est pas sans rappeler celle des tournois de la bannière de fer, verra le jour, donc on pourra grandement penser qu'une nouvelle faction sortira, mais c'est une question qui reste actuellement en suspens. En attendant, on connaît déjà l'aspect de trois prochains emblèmes, il y en aura peut-être plus pour l'instant, trois ont été révélés, vous les voyez actuellement s'afficher à votre écran. Et en outre, on a des informations concernant le prochain contrat exotique, mais je ne vous en dis pas plus puisque ce sera le sujet de la vidéo suivante. Enfin, dernière information, je vous invite à rester vraiment connecté à notre chaîne YouTube puisque très prochainement, peut-être aujourd'hui ou plus tard demain si on n'a pas le temps, on va vous sortir l'intégralité des stuffs et des armes qui vont sortir avec ce tournoi d'Osiris. Donc ce sera forcément des équipements et des armes aux couleurs du tournoi d'Osiris. Donc restez vraiment à l'affût des informations. Dans tous les cas, pour être au courant de la sortie de ces vidéos, je vous invite à nous suivre sur Facebook et sur Twitter sur le compte Zombie Factory. En attendant, je vous invite à liker et partager cette vidéo, à nous laisser vos avis en commentaire si vous en avez l'envie. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !